Voilà, on va se mettre en place. What's up, les pépites de chocolat? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Donc, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une review sneakers. Donc, basket, toutes mes baskets, toutes mes paires, vraiment. Donc, j'avais déjà fait cette vidéo-là. Sauf que entre deux, j'ai reçu trois paires de baskets en plus. Donc, je me suis dit, je vais la refaire, autant la refaire parce que sinon, ça va être le bordel. Donc, voilà, nouvelle présentation. J'espère que ça fait plus classe qu'avant. J'essaye de travailler aussi le décor, entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est tout le temps pareil et ça, rien que ça peut changer et ça fait classe. Donc voilà, cette vidéo-là n'aura pas de montage. Je le précise parce que ça sert pas à grand-chose que je m'attarde sur un montage alors que de toute manière, je vais faire tout ça à la suite, présenter les baskets entre guillemets, dire si elles sont bien, si mes avis, voilà. Je préfère vous faire ça comme ça et privilégier peut-être un montage sur une autre vidéo si vous voulez, par exemple une paire de chaussures que je vais vous présenter. Plus en détail, là j'opterai plus pour un montage assez poussé. On va commencer par la première paire de chaussures. Ça fait 5 ans que je les ai, si c'est pas plus. C'est des Air Max Nike, ouais, rouge. Je sais plus c'est de quelle collection, mais en tout cas, ça date assez. Ça fait 5 ans que je les ai. Très bonne paire de chaussures, ça va avec tout, mais après, c'est vrai que les Air Max c'est plus trop à la mode. Et puis, je les mets vraiment plus du tout. C'est assez gros, c'est vachement balèze comme chaussure. Mais moi, ça va, j'aime bien, j'apprécie bien les Air Max. J'avais une paire aussi, elle était grise et bleu ciel. C'était une paire magnifique. Et je les ai tellement mises, malgré que j'en prenais soin, qu'elles sont mortes. Donc, ma dernière paire de chaussures que je viens de recevoir ce matin même. Donc, pour travailler mon style hipster parisien. Donc ce sont les mêmes coins blanches que je vous avais présentées chez sofashionshop.com. D'ailleurs, vous pouvez les trouver sur son site. Donc voilà, mais en marron et en plus petite parce que les blanches, bah, je nageais un petit peu dedans. Donc voilà, moi je les trouve super classe en marron. C'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, franchement super classe. N'hésitez pas à venir aussi sur le groupe Facebook Réception du jour. C'est là où je mets mes tenues vestimentaires et aussi mon Facebook personnel, Clemente Ovales, c'est vraiment là où je mets mes tenues personnelles et comme ça vous pouvez vous inspirer. Il n'y a pas de problème parce que c'est vrai que je ne peux pas faire des lookbooks sur toutes mes tenues que je mets. Ça serait vraiment trop compliqué à faire. Enfin, pas trop compliqué, mais je ne peux pas faire des vidéos, tourner des vidéos tous les jours. C'est impossible. Surtout sur le timing que j'ai en ce moment, c'est vraiment impossible. Donc, n'hésitez pas à venir à me demander un ami. Je réponds à tout le monde. Hier, j'ai encore eu un abonné qui me disait: Ah, mais ça m'étonne franchement que tu m'aies répondu. Parce qu'en gros, je suis youtubeur et pour tout le monde, les youtubeurs, ça répond jamais aux abonnés. Moi, j'ai toujours été comme ça. Je réponds à 100% de mes abonnés, à part ceux qui viennent me faire chier, qui viennent m'insulter et me faire des vieux coups. À part ces personnes-là, je réponds à tout le monde, vraiment à 100% de mes abonnés. Des petites converses One Star, donc pas All Star, mais. One Star, donc vraiment sympathique pour l'été, c'est vraiment super sympathique. Très bonne qualité, ça fait aussi 5 ans que je les ai, ouais, si c'est pas plus. One Star, ouais, Converse, voilà, super qualité. Les Supra Skytop blanches, donc j'ai eu ça chez Spartoo, assez cher, mais au final j'ai eu quand même une petite réduction. Donc ça c'est cool. Donc voilà, franchement super paire, bonne qualité, lourde, mais bon, ça restera comme des paires qui sont tout le temps à la mode parce que ce sont des montantes et pas trop extravagantes. Donc ça restera toujours un petit peu à la mode. En parlant des sneakers, j'ai eu une info en avant-première parce que je parle en fait à Six June sur Snapchat d'ailleurs. Pour mes abonnés, j'ai demandé à avoir une petite info comme ça. Donc, ils vont faire des nouvelles sneakers, deux types de nouvelles sneakers. Alors, les noms, je pourrais plus vous dire, mais en tout cas, ça va être en août prochain pour la nouvelle collection hiver. Et apparemment, ce sont des sneakers qui n'ont jamais été faites, donc au niveau de l'aspect et tout. Donc, ça va vraiment être cool. Et j'espère vraiment qu'elles seront lourdes, quoi, parce que c'est vrai que les sneakers Six June sont vraiment superbes et j'espère que ça va envoyer du bon. Bref, il y a les Supra Estaban. Alors ça, c'est un gros coup de cœur au niveau de la couleur et puis de l'aspect très très original. Et puis bah, Supra quoi, c'est toujours une
une marque exceptionnelle, quoi. C'est vraiment la qualité avant tout, l'aspect original, extravagant, mais qui reste très très classe et assez sobre. C'est ça qui est assez bizarre avec la marque Supra, c'est que c'est extravagant, mais tout est dans la sobriété aussi en même temps, donc c'est vachement rigolo, quoi. La première vidéo que je vous ai faite, ce sont sur les Supra Spectre Chimera édition limitée Lil Wayne, les potos. Donc voilà, ça c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. C'était pour vous présenter cette paire de Supra là. Voilà, une paire que je mets plus malheureusement, mais c'est une paire qui restera toujours dans ma collection, que je ne vendrai jamais, je pense, à part si je suis vraiment dans la merde d'argent, mais ça m'étonnerait. C'est une paire juste magique. Une paire juste magique. C'est des chaussons. C'est vraiment des chaussons, quoi. Au top. Donc ça, c'était ma dernière paire de Supra. Après ça, j'ai des JS Raw. Donc des J-Star Raw. Voilà, montante, avec un peu effet jean. Voilà, ça me fait penser un peu à des chaussures militaires, un peu, je sais pas, l'aspect est assez carré. Ça me fait vraiment penser à, voilà, un peu militaire et tout. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Ce sont des chaussures qu'on peut porter par tous les temps. C'est vraiment même l'été, c'est pas des chaussures lourdes ou qui tiennent vraiment chaud. Donc c'est vraiment sympa. Mes classiques séries. Et les amis, arrêtez de me dire que c'est du fake, que c'est une copie de Yeezy Boost. C'est une marque classique séries. C'est pas marqué. C'est un fake de Yeezy Boost. Non, c'est juste une marque classique séries qu'on fait des chaussures qui ressemblent à peu près. C'est pas un fake ou je ne sais quoi. C'est pas des fausses Yeezy Boost. C'est juste une autre marque qui a fait des chaussures qui ressemblent. C'est tout. Alors, arrêtez de faire un amalgame dans votre petite tête en m'engueulant, alors que je précise très bien la différence. Donc ceux qui ne comprennent pas ça, bah, excusez-moi, mais regardez plus mes vidéos, hein, parce que j'essaie de faire des précisions. Et puis bon, si vous comprenez pas ça, allez voir ailleurs. Allez voir des vrais fakes, par exemple. On verra que c'est pas du tout pareil. Donc voilà, franchement, une paire nickel. Je me sens super bien dedans et en plus, bah, c'est assez flatteur quand même que tout le monde pense que c'est des Yeezy Boost, parce que même sur mes photos et tout, on les voit assez de près, il y a tout le temps. Par exemple, sur mes photos Instagram, donc Clemento Vallès, vous pouvez les voir, il y a souvent des gens qui me disent « Oh yeah, Yeezy Boost et tout, nanana. » Non, non, c'est des classiques séries, mais c'est des classiques séries. Non, non, j'ai pas de Yeezy Boost, j'aurais bien aimé, mais non. Voilà, les sneakers X d'une toute légère, ça m'a fait d'ailleurs bizarre de les prendre. Donc voilà, franchement, au top, les kakis. Qualité extrêmement bien. Commandez-les chez Six June directement. Attention, ne vous faites pas avoir. Évitez d'acheter des vêtements Six June ou des grosses marques qui ont déjà des sites indépendants sur la boutique officielle ou sur d'autres sites. Achetez-les vraiment sur les sites officiels. Comme ça, vous serez sûr de ne pas avoir d'erreur. Moi, chez la boutique officielle, même Six June m'ont précisé que si c'est sur leur site officiel, il n'y aura pas d'erreur. C'est vraiment parce que les autres sites, la boutique officielle, ils font de la crotte. Enfin, ça, c'est pas eux qui l'ont dit, ça, c'est moi qui le précise. Mais voilà, les Six June au top. Après ça, il y a les. Ça, c'est quoi? C'est des Nike 6.0. Donc, ça, c'était assez à la mode en 2009-2010, je crois, si je me souviens bien. C'est quand j'étais à l'époque mécheux. Donc, voilà, des petites montantes vite fait. Franchement, c'était pas mal, mais je les ai pas portées assez souvent d'ailleurs. Je pense que celles-ci, je vais les revendre. Donc, si vous avez des offres à faire, n'hésitez pas. Elles sont toutes neuves, pratiquement toutes neuves. Mes Rush Run. Donc, mes Rush Run, bien évidemment, vous les connaissez tous. J'ai fait une vidéo précision là-dessus. Donc, Rush Run Print Grise. Donc, voilà, au top. Pas cher en plus, 80 balles, je crois. Et les mêmes que les marrons, mais en blanche. Voilà. Chez sofashionshop.com. Vraiment aussi très bonne qualité. C'est dommage qu'elle soit même un peu trop grande. Donc voilà les amis, ça me fait pas mal de paires de chaussures. Vraiment pas mal, je crois que j'en suis à. Alors attendez, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 paires de chaussures. Petit message à Elliot. Elliot, t'as combien de paires de chaussures toi? Ça serait sympa que tu nous fasses une petite vidéo, non? Vous serez pas content un peu qu'Elliot vous fasse une petite vidéo sur toutes ces paires de chaussures, comme ci, comme ça? Parce qu'il en a vraiment des belles paires.
et des paires de collections. Et ça serait vraiment énorme que tu nous fasses partager ça en vidéo pour la chaîne Réception du jour. Allez, bisous les amis, je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous dis à très très bientôt. Peace! Ouais, parce que vu que c'est une vidéo sans montage, bien évidemment, il faut que je vienne arrêter la vidéo. Allez, tchuss les amis, bisous bisous. Et ça s'appelle un gros fail en fait, parce que la vidéo ne s'est pas arrêtée. Oh punaise. Je vais vous montrer en même temps. Voilà le bordel. Oh là là, mon Dieu. Allez, salut les amis.